Oh, troisième tentative, c'est osé. Ah, c'est carrément osé. Bienvenue sur Heurte Éternelle, en cette fin du 15, toujours 23h39, au moment que je le dis et que je le filme. Bon. Moi, la télé. Oh, bon. Le meilleur, c'était les sous-doués. Ça veut dire un truc, ça. On est vers 80 et quelques. Galabru est tout jeune. Même Daniel Auteuil, même tous, hein. Toute l'équipe. Hein. Il y avait ça d'à peu près d'eau potable, enfin, locaux potables. Je ne saurais pas trop dire. Locaux. Je sais pas trop. Mais bon, c'était pas mal quand même. Puis tout a rigolé. Puis j'avais fait du bon manger. Ça fait 3 soirs que je fais du bon manger. C'est pas des plats tout prêts. Hein. Parce qu'on a parlé de ça au yoga. Les plats tout prêts. Sur 8, il n'y en a qu'une ou deux qu'on bouffe. Sept repas, sept déjeuners, c'est gratuit. C'est pour habituer les gens à plus rien foutre par eux-mêmes. Lobotomie de l'esprit. Tu vois? Vous allez tous devenir de gros légumes, des belles plantes vertes, même pas vertes. C'est le nouvel ordre mondial. Putain, on a écouté du bon son cet après-midi. J'étais content d'être avec Michel. Et finalement, j'ai pas rappelé Jean-Philippe. Parce que je sais pas. J'ai mon Saint-Michel. Je ne me lavais qu'au Mont Saint-Michel. Mais j'ai plus les moyens. J'ai pris 4 savonnettes à 1,50 €. Ça me durait 6 mois au moins. Mais n'empêche que t'Éternel, il vendra jamais son âme. Et voilà, et ça se vend pas, et tu auras jamais de pub sur t'Éternel. Quand t'appuies, ça part cash, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Pour un gouverne vrai, des médicaments vrais, un discerne vrai, tout qui soit vrai. Même les crocodiles, ah ouais. Je crois qu'ils font exprès de leur gosse en sac à main. Je crois pas non plus. Ça a beau être des reptiliens, mais au moins eux, tu le sais. Tu passes devant le crocodile. Attends, il fait 200 kilos. S'il vient de manger et qu'il ne marche pas sur la tête, il te fout la paix, le crocodile. Par contre, si tu passes au moment qu'il a faim, ah ben, il a faim, il va te manger, ça c'est sûr. Mais ça, c'est encore des lois naturelles. Maintenant, la loi des hommes, c'est pas naturel. Et vas-y que je te bombarde avec ceci, ceci, cela. Mon pote, le voisin d'à côté, là, iranien, deux de ses frères sont morts des gaz toxiques. Et tu vas me la raconter à la. Nicolas Bulot, pour l'instant, je dis rien. Parole de Cahuzac, ça me fait mourir de rire. Bon, par contre, moi j'ai un paplard qui dit que Hollande et Jacques Lang, la fille de 11 ans, elle est morte. Hein. Truc de pédophilie, là. Ça, on n'en parle pas beaucoup à la télé, c'est bizarre. Hein. Tu vois? Sinon, ça va, je suis content. Putain. Ça filme pour la troisième fois, donc je vais enlever. Et sur la batterie qui normalement ne tient pas la charge, la caméra qui ne marche absolument pas, l'écran que tu comprends absolument rien. Il est mis à l'envers, il est courbé, ça marche pas. Mais quand il y a le voyant rouge, ça veut dire que ça marche. Alors, envoyé spatial pour Téléternel. Patché Salut, Inchalamen, Iraim. Même Mazel Tov, si tu veux.
du protestodoxe bouddhisto-tibétain Catholman. C'est pas le Catholman, c'est Catholman. Et Spider-Man, il y avait, je sais pas, hop, il avait un tente-mère, moi j'avais Tata l'oracle. La boule de feu, elle est rentrée chez elle et je t'emmerde. Bon. Oui, faut peut-être pas dire comme ça, mais. Bon, pour l'instant, ça filme. Ben, je vais l'envoyer comme ça. Bouddhisto-tibétain, protestodoxe, et brahmo cistercien et multi-surpape, en fait. Moi, j'étais surpape dans le moteur de mon temps. Elle est en titane massif, tu vois. Y a personne qui peut rien me faire. Hein. Personne. Ils peuvent essayer. Ben. On verra bien. Voilà, 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 voilà. Ah, oh, Suzon, Suzette, Suzette, Suzon.